Salut tout le monde, c'est Sandy. J'espère que vous allez bien. Et moi, ça va super bien. Je viens juste de revenir d'aller faire des commissions. Je parlerai pas trop fort parce que mon petit bébé de 18 mois presque fait dodo à côté. Mais donc, j'ai du linge pour moi un petit peu et du linge pour mon chum. Fait que si ça vous intéresse, ben à plus. Donc, on va commencer avec mon linge. Je suis allée chez Ardenne pour trouver quelques morceaux de linge. Semi-automne, je dirais semi parce que je veux pas comme trop des manches longues, mais quand même un petit peu plus automnal que juste des camisoles, vous voyez le genre. Puis étonnamment, chez Ardenne, tu sais, autant je trouve que souvent la qualité des produits est pas là, mais que certains morceaux comme, tu sais, ce gilet-là, là, que j'avais, il y a comme une affaire en arrière, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Il a subi vraiment beaucoup de lavage, vraiment beaucoup de séchage à la machine, puis il est encore super beau. Fait que tu sais, des fois, ça vaut la peine de regarder quand même les morceaux qui sont en rabais parce qu'on peut quand même faire des découvertes intéressantes. Donc, je me suis acheté seulement un article. J'ai essayé plusieurs, puis tu sais, il y a des jours où ça marche pas là. Fait que c'est ce petit gilet-là. Puis, je vais essayer de vous le montrer là, en arrière, là, vu que vous voyez quand même bien la pièce. Je l'essaye. Vous voyez pas rien. Hein? Je le rentre dans mes culottes comme ça. Comme ça. Puis, je mets comme une camisole en dessous. Fait que ça. Non, ça marche pas là. Ça marche pas du tout là. Au pire, je vais essayer de vous faire un try-on là, peut-être un jour avec mes nouvelles affaires. Mais tout ça pour dire que ça fait vraiment propre avec des jeans slim. Je rentre le bas du gilet dedans les culottes. Je dézippe légèrement, légèrement. Hein, faut pas avoir de l'air. Légèrement ça avec une camisole blanche en dessous. Puis ça fait vraiment, je trouve, un look professionnel. Tout ça. Puis j'ai des petites boucles d'oreilles roses et dorées comme ça. Que je portais, c'était pas celui-là que je portais en plus, que je portais tantôt au magasin, puis c'était super beau. Fait que pour, je me suis fait avoir par exemple, j'avais comme vu 50% sur la pancarte, mais ce produit-là s'appliquait pas, pour 17$. Fait que quand même pour 17$, c'est un tissu par contre que je vais devoir repasser, puis moi je sais que ça, d'habitude je fais attention, faut pas avoir trop de repassage à faire là. Mais sinon, un beau petit gilet rose pâle qui fait look professionnel. Là, c'est un gilet à manches courtes, c'est plus pour l'été, mais c'est ça. J'ai aussi été chez la Senza. Chez la Senza, j'avais besoin donc de soutien-gorge. Et genre, dans mon tiroir à soutien-gorge, tu sais, j'ai au moins, je sais pas, là, comment, 10-15 soutien-gorge, là. Puis, il y en a, honnêtement, là... 3-4 qui me font bien, c'est-à-dire que je trouve confortable. Fait que souvent, mais là, je vais prendre cette habitude-là, là, quand je m'achète un nouveau soutien-gorge, puis que je trouve vraiment que je suis à l'aise après plusieurs journées, disons, tu sais, au travail complet, tout ça, qu'il n'y a pas de point de pression, que ça fait pas mal ici au centre, que bon, comprenez? Aussi bien d'aller le racheter tout de suite, parce qu'à 44$ le soutien-gorge, j'en ai acheté l'autre fois deux. Puis, je les porte presque pas vraiment en dernier recours, là, quand les autres sont sales, parce que c'est ça, je suis pas bien. Puis, c'est tellement important d'être bien, il me semble, avec ça, là. Fait que je vous les montre vite, vite, là, tu sais. C'est quand même des trucs personnels, là. Fait que j'en ai pris comme un rose, puis un noir. Ben, la couleur, je m'en fous, en fait. Là. Je cherchais juste la grandeur appropriée, puis je voulais juste vous montrer, en fait, c'est comme ça ici, là. Tu sais, quand c'est tout doux là en dedans, là, c'est là que c'est confortable, je trouve. Fait que voilà, hein, je vous montre tout, décidément. Et finalement, pour moi, je suis allée chez Reitman. Reitman, là, on dirait que c'est une boutique que j'apprends à découvrir avec l'âge. Je sais pas. On dirait que quand j'étais jeune, j'allais pas là. Puis finalement, il y a vraiment des beaux linges, je trouve. Donc, je me suis acheté des bas. Des bas, c'est la vie, hein? On passe tout le temps plein de bas. Fait que 3 bas comme court, puis 3 bas longs. C'était 3 pour 12$ ces bas-là. Et je voulais donc m'acheter, comme je vous disais, là, des hauts pour l'automne. Fait que ça, c'est un exemple que c'est pas pire. Fait que c'est comme mi-manche. Puis, il est quand même un petit peu long comme ça. Fait que je trouve que, tu sais, des couleurs comme ça, ben, tu te trompes pas.
Je suis là avec mes bras, tu sais. Mais oui, voyez-vous comment c'est beau. Fait que c'est ça, fait que tu te trompes pas. Puis il était combien celle-là? 29$, donc 29$. Ça vaut quand même la peine, encore là, avec une belle paire de pantalons slim noir ou bleu marine, ça passe très bien. Fait que c'est tout pour moi. J'en aurais voulu plus, mais comme je vous dis, on dirait que ça donnait pas. Ou peut-être qu'il va falloir attendre. Dans les magasins, ils sont en train de liquider leur matériel d'été. Peut-être là, l'automne va arriver, puis ça va être plus beau. Voilà. Et je vous montre rapidement ce qu'on a acheté pour mon chum chez Vincent d'Amérique. Fait que lui aussi, il avait besoin comme de vêtements pour le travail, finalement. Hein? On dirait que c'est tout le temps. On dirait que t'achètes souvent du linge pour le travail qui finit par devenir du linge de fin de semaine. Fait qu'il a acheté une chemise comme ça ici. Elle est vraiment belle avec des pantalons plus noirs puis une ceinture. La chemise rentrée dedans était en spécial à 29$. Parce que Vincent d'Amérique, des fois, là, quand c'est pas en spécial, c'est quand même cher. Fait que cette chemise-là. Je vais aller plus vite, ok, pour, tu sais, le linge de gars. Quoi que ça va peut-être intéresser quelques-uns. Cette chemise-là, quand je l'ai vue puis je l'ai essayée, j'ai dit, oh non, pas quelque chose qu'il va falloir que je repasse, parce que oui, c'est moi qui fais tout le repassage ici, là. Mais c'est ça. Fait que, quand même, elle faisait bien. Fait que, hein. Puis, elle était en solde à 49,99. Tu sais. Mais c'est du linge de qualité quand même, un peu plus là, que des fois d'autres, je ne vais pas nommer d'autres marques, d'autres magasins, mais quand même, tu sais, ils en valent la peine. 49,99 aussi, cette chemise-là. Ça, c'est quand même sobre. Mon chum, il n'est pas non plus extravagant. Mais quoi, tu m'énerves? Il n'est pas extravagant non plus, on est quand même les deux de nature assez neutre d'habitude dans nos vêtements. Et il a acheté également une paire de pantalons. Steve Jeans là. À 75$ quand même. Je sais pas si c'est moi, mais le linge de gars, c'est quand même plus cher que le linge de fille. Ou pas nécessairement, ça dépend peut-être des boutiques, mais comme ça, ça coûte cher à chaque fois. C'est pas grave. En même temps, ils s'en achètent tellement pas souvent avec eux. Ben c'est tout, voilà. Fait que sur ce, je parle pas plus, puis je vous dis à prochaine, bye bye. Ok, fait que j'ai fait un petit try-on finalement là. Prêtez pas attention au fait que c'est fripé puis qu'il n'y a pas encore l'étiquette, mais voici ce que je voulais dire. Fait que tu mets, tu sais, une paire de pantalons slim. Moi, je mets souvent ce genre de petits souliers-là, là, comme l'été pour aller travailler. Une camisole en dessous. Hein, on dézippe légèrement. Les petites boucles d'oreilles roses que je vous disais et dorées. Fait que voilà. Ça, c'est typiquement le genre de choses que je pourrais porter, au travail. Puis je vous montre l'autre morceau aussi. Deuxième morceau, fait que là, j'ai enlevé les boucles d'oreilles roses. Je mettrais probablement autre chose ou peut-être un collier un petit peu descendant. Mais souvent, je suis assez sobre. Moi, je ne porte pas beaucoup de bijoux ou tant ça. Souvent, les boucles d'oreilles plus qu'autre chose. Puis, la même affaire, le même petit kit dans le fond, les mêmes souliers. Fait que c'est simple, surtout super confortable pour aller travailler. Fait que pour 30$, ben, ça vaut la peine.